enfants. Yahoo! J'ai encore gagné! C'est moi le plus fort de la forêt du monde et de la galaxie intersidérale! Alors, Dédé le bébé, t'attends l'automne pour tomber avec les feuilles? Ouais, c'est ça. Fais bien ton malin, l'écureuil. C'est facile pour toi de grimper aux arbres. Choisis ton épreuve, le renard. On verra si tu peux me battre. Et si on faisait la course dans le champ de fleurs? Le premier arrivé aux ruches est le chef de la forêt. Alors ça ne m'amuse pas du tout, du tout. On a déjà joué à la course et même que j'ai gagné. Ouais, mais là, t'as peur de perdre, je le sais. C'est ça, la vérité, Jeff. Allez, dis oui, juste une petite course de rien du tout. Ça va pas t'user les pattes. Je vous dis que ça m'amuse pas. Et si c'est comme ça, je préfère rentrer chez moi. Mais qu'est-ce qui se passe, Jeff? Tu m'as fait peur. Va-t'en, ne touche pas. Tu es sûr que tu vas bien? Parce que franchement, tu as l'air plutôt bizarre. Tu veux que je te dise? Comme ça, on dirait Dédé. J'ai une peur bleue des abeilles. Je me suis fait piquer quand j'étais petit. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire la course avec Dédé et Achille à travers les champs de fleurs. Tu diras rien, hein? Tu diras rien, promis? Promis, juré sur la plus haute branche du vieux chêne. Salut, Titouan. Tu connais la dernière nouvelle? J'ai fait la course contre Achille et c'est moi qui ai gagné. Sans me vanter, je cours plus vite que l'éclair. Même Jeff n'ose plus m'affronter. Il sait qu'il a aucune chance contre moi. C'est pas ça. C'est juste que Jeff, il a horriblement peur de... Ah oui? Et il a peur de quoi exactement, Jeff? Tu veux me le dire? C'est-à-dire... J'ai oublié de dire quelque chose à Monsieur Papy. Alors, comme ça, Jeff, il aurait peur de quelque chose. Et c'est rien qu'un peureux. Au fond, comme tous les autres. Moi aussi, je vais pouvoir me moquer de lui. Il n'y a pas de raison, après tout. Bon, Jeff a une peur secrète. Mais il a très peur de quoi? Tiens donc, et si Jeff avait peur de l'orage? J'ai une surprise pour toi. Il pleut à verse, et alors? Tu appelles ça une surprise? Chouette de chouette, un gros orage. Waouh, regarde, regarde, c'est vraiment beau. Moi j'adore, pas toi? Allez, Titouan, dis-le-moi. On est copains tous les deux, non? De quoi il a si peur, Jeff? Tu me connais, non? Je ne le répéterai à personne. Non, j'ai promis. Je ne dirai rien, rien de rien. Non. Voilà Dédé la poule mouillée qui a peur de trois petites gouttes d'eau. Même pas vrai. Et puis toi aussi, t'es un trouillard d'abord. N'importe quoi. J'ai peur de rien, moi d'abord. T'es rien qu'un frimeur. Je suis sûre que tu as une peur secrète. T'es un froussard. T'as peur du noir. Rendez-vous cet après-midi à la caverne. Quand tu veux, petite tête. Suffit d'aménager un peu la caverne et on lui fait la peur de sa vie. Allez, au travail, ce sera rigolo. Je sais pas, c'est pas très gentil quand même. Gentil? Vous croyez qu'il est gentil, lui? Jeff se croit toujours plus fort que les autres. Lui, c'est monsieur parfait, il fait tout tellement mieux. Et c'est même pas vrai, il a besoin d'une bonne leçon. Après tout, ce serait juste une petite blague de rien du tout. C'est pas vraiment méchant, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, toi, Achille, tu fais l'horrible monstre surgi du fin fond des ténèbres.
Voilà. Au secours! Au secours! Des araignées! Des araignées géantes! Et moi, pour le bouquet final, je me mets à l'entrée de la caverne, là où il y a de l'écho, et je pousse le cri du loup-garou de la nuit qui glace le sang qui est dans la tête. Et vite, vite, tous en place! Faut pas que Jeff vous voie. J'attends! Non. Salut, Dédé, la poule mouillée. Fais vite. Je ne serai pas long, ma princesse. Dis donc, Achille, t'as l'air ballonné. Tu devrais arrêter les glands. Arrête de me chatouiller, Gladys. Sinon, tu vas voir. Oh. J'ai pas peur du noir. J'ai pas peur du noir. J'ai pas peur. Ne sauve pas, Dédé le bébé, ce n'est que moi. J'en ai marre et plus que marre de cette tête de noisette à la noix. Oh, salut, Dédé. Toi aussi, tu profites du soleil? Ben, réponds-moi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Dédé? T'as pas confiance en moi. Jeff, lui, c'est un vrai copain. Il m'a tout raconté. Oui, il savait bien que je me moquerais pas de lui pour sa toute petite trouille mini-rikiki. J'étais sûre que les copains et toi, vous comprendriez. C'est pas une honte d'avoir peur des abeilles. Alors, petite tête de noisette, on se dégourdit les papates. Tu préférerais pas courir dans les champs de fleurs? Non, j'ai une bien meilleure idée. Récolter le plus de miel le plus vite possible. Ça te tente, hein, Jeff? Oh oui, 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 oui. Alors, on fait plus son malin. Monsieur qui a soi-disant peur de rien. Parce que tu crois que mon Jeff, il a peur de toutes petites abeilles de rien du tout? Vas-y, Jeff, c'est trop fastoche. Ouais, vas-y, Jeff, c'est tellement facile. N'écoute pas, il essaye seulement de te déconcentrer. Madame, vite, madame, aidez-moi, Jeff. Tous ensemble, Achille, explique-moi, veux-tu? C'est Jeff, madame. Il a glissé sa patte dans la ruche, puis il s'est mis à hurler et il s'est enfui. Il s'est fait piquer, c'est sûr. Il doit avoir très, très mal. Tout ça, c'est de ma faute, voilà. Si j'avais pas dit à Dédé que Jeff avait peur des abeilles, ce serait jamais arrivé. C'est à cause de toi, à cause de toi. C'était jaloux parce que Jeff est plus fort que toi. Je te déteste, je te déteste, je te déteste. Calme-toi, ma princesse, calme-toi. Je vais chercher de la pommade. Mais Jeff a sans doute eu plus de peur que de mal. Jamais j'aurais encouragé Jeff si j'avais su. Il doit être tellement triste. Il est capable de rester caché pendant des jours et des jours. On ne le retrouvera jamais. Mais si, on va le retrouver, et vite. Surtout si on part chacun dans une direction différente. Tenez, c'est juste au cas où. Il faut en mettre à l'endroit des piqûres. Et surtout, il faut s'excuser. Au moins ici, il n'y a pas d'abeilles et personne ne viendra me déranger. Ah, tu es là, Jeff. Je suis tellement content de te revoir, je te jure. Tout le monde te cherche. Tu nous as fait très peur. Vous approchez pas, toi et tes abeilles. Tu n'es qu'un traître. C'est toi qui as répété mon secret à Dédé. Je te parlerai plus jamais. D'abord, je parlerai plus jamais à personne. Je voulais rien dire. Je te jure, Jeff. Et puis ma bouche a parlé toute seule. Je te laisse de la pommade pour tes piqûres. Tu peux la reprendre, ta pommade. Je me suis même pas fait piquer. Je me sens tellement idiot. Avoir peur d'une si petite bête, c'est vraiment ridicule. Jamais j'oserais revoir mes copains. Jamais, surtout Noémie. Un héros qui s'enfuit devant une abeille, ça n'existe pas. Je pourrais t'apprendre à ne plus avoir peur. Je suis un spécialiste des abeilles, moi. Et peut-être qu'un jour, dans longtemps, longtemps, tu voudras bien être mon copain. Allez, viens. Elles vont pas te manger. C'est là que les abeilles entrent.
Et ici, elle stocke les larves des bébés abeilles et le pollen. Et en haut, il y a les alvéoles et le bon miel. C'est drôlement bien organisé. Et comment elles fabriquent le miel? D'abord, elles vont chercher le nectar des fleurs et le rapportent. Ensuite, elles le sèchent avec leurs ailes pour qu'il devienne une pâte. Puis, elles le malaxent dans leur bouche. Après, elles le tassent avec leur tête dans les alvéoles et elles rebouchent le tout avec de la cire. Tu vois, elles ont autre chose à faire que de te piquer. Bon, les abeilles sont parties butiner et si on en profitait pour goûter leur miel? Et maintenant, c'est quoi la prochaine leçon? Un peu de patience, tu es prêt? Tiens, regarde, j'ai des abeilles plein les branches et tu marches à côté de moi. Tu sais, Jeff, ce ne sont pas les abeilles qui sont dangereuses. C'est ta peur à toi. C'est parce que tu t'agites dans tous les sens qu'elles deviennent agressives et risquent de te piquer. Tu comprends? J'ai réussi. J'ai réussi. J'ai plus peur des abeilles. Jeff, bouge pas, on arrive. Non, Jeff, ne traverse pas. C'est pas grave si tu as peur des abeilles. Hein? Noémie a raison. Tout le monde a peur d'un truc. Moi, j'ai trop peur des araignées. Jeff, j'aimerais te dire que j'aurais pas dû te provoquer tout à l'heure. C'était idiot et je voudrais m'excuser. Quoi?